compte tenu de ma génération, j'ai quand même 87 ans, je peux faire la différence entre ce que j'ai vécu et ce qui se vit aujourd'hui, le changement d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut dire, d'après ce que l'on ressent, à tort ou à raison, on peut dire qu'il y a quand même des incertitudes, de la violence, et que c'est une époque difficile. Alors nous lançons beaucoup de cette nouvelle génération, ces enfants, nous les lançons dans cette atmosphère-là, et je pense qu'une école comme celle-ci, c'est une étape préventive pour former nos enfants. Nous avons besoin de les consolider quelque part dans leur tête. Voilà, alors moi ce que j'ai découvert, c'est que cette école, elle était bienvenue, et elle est importante, elle est très importante, d'ailleurs il n'y en a pas suffisamment, il en faudrait beaucoup plus pour qu'on puisse équilibrer les choses. Et dans ce qu'on propose aujourd'hui à nos petites générations, nos enfants, c'est pas magnifique. Alors peut-être que là le constat il est un peu pessimiste, mais je pense que c'est mon expérience qui parle. Moi j'ai constaté qu'il y avait surtout quelque chose qui était très développé, c'est la liberté de l'individu. L'enfant, il fait selon son envie, son désir, et après, à l'arrière, il y a tout le travail de l'éducateur qui dirige un peu cette envie, ses désirs, et qui lui laisse quand même une grande liberté dans son fonctionnement naturel. Ça, c'est important. Accorder de la liberté à l'être, c'est très important. C'est ce que j'ai remarqué dans cette école. On les laisse un peu évoluer à leur stade de conscience, à leur stade de possibilité. Et ça, c'est excessivement important. On ne les brime pas, on ne leur met pas des cadenas sur les mains. On laisse leurs idées évoluer selon l'évolution qu'ils doivent apporter à leur vie. Et ça, c'est un équilibre essentiel. C'est un équilibre important pour qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils puissent se développer. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ça, je l'ai constaté. Alors, c'est très difficile d'accompagner la liberté de l'individu. Et moi, j'accorde beaucoup de mérite aux accompagnants, parce que de donner cette liberté, il faut une attention très soutenue, il faut vraiment une motivation très forte. Je pense que j'ai tout dit, la liberté de l'être, son épanouissement et puis son bien-être, parce que quelqu'un qui se sent bien peut faire des choses, quelqu'un qui se sent pas bien fera rien. Voilà.